C'est le cas de le dire. Alliance Affaires Côte-de-Beaupré lance sa saison automnale sur les chapeaux de roue. Les 270 membres sont conviés à une soirée de course au karting Château-Richer le 12 septembre. D'autres activités font aussi partie de la programmation, comme nous le précise la directrice générale d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, Nathalie Duclos. Nathalie, bonjour. Allô, Marc. Ah, ça va bien? Ça va super bien. Passez un bel été. Très bel été, toi aussi? Oui, effectivement. Mais on revient au travail et Alliance Affaires aussi, Côte-de-Beaupré, reprend ses activités. Et qu'est-ce qui est proposé par l'Alliance pour lancer sa saison automnale? Pour le lancement, on lance ça en grand. On s'en va faire du karting. On va faire un super événement. Douni Les Tourneaux, le propriétaire, c'est lui qui va faire l'animation parce que chaque membre qui vient est garanti qu'il va faire 15 minutes de karting. Douni va former les groupes, pop, 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 pop. À la fin, il va avoir un grand vainqueur. Donc, il va se mériter le premier trophée là, de l'Alliance, de la course de l'Alliance. Ça va être super. Là. Douni nous promet toute qu'une soirée. Ensuite de ça, le repas va être servi par le Radio Café. Donc, c'est l'assiette Smoke Meat que nous avons. Et comme dessert, on est vraiment chanceux, c'est le fameux gelato du bord laitier de la roulotte Bolduc, ainsi que le sorbet. Donc, Rémi nous offre ça, ça va être délicieux, on y a tout goûté, on sait que c'est bon. Puis, en plus, ils ont un nouveau service, eux autres, cette année, ils font du chocolat, donc ils ont lancé ça à Pâques. Puis moi, bien, gourmande comme je suis, bien, j'ai déjà acheté tous les chocolats, puis ils sont excellents. Puis, ils nous en offrent pour tous les membres ce soir-là, on va pouvoir déguster les trois sortes. Donc, pour les amateurs de vitesse puis les dents sucrées, oui. Ça va être quand? Ça va se tenir à quelle heure? C'est ça. Fait que ça a lieu le jeudi soir, le 12. Ça va commencer à 18h. C'est sûr qu'on vous accueille avec un beau cocktail, le vin rosé du vignoble de l'Ange Gardien aussi. Puis, c'est ça, ça commence là. On va avoir fait toute la décoration. Si jamais, parce que c'est extérieur, oui. Il peut arriver qu'il pleuve, qu'est-ce qui se produit à ce niveau-là? En cas de petite pluie, l'événement a quand même lieu. Ça prend de la grosse pluie pour reporter l'événement. C'est sûr qu'il va être reporté, mais je vous invite de consulter notre site web, notre page Facebook. Tout va être indiqué là ou de m'appeler tout simplement. C'est toujours facile à rejoindre. Okay. Puis au niveau d'Alliance Affaires aussi, il y a des choses qui ont débuté l'an passé qui continuent, ce que j'appellerais des activités récurrentes. Oui. Voulez-vous nous en parler? Oui, ça, c'est notre fameux dîner réseau. Le premier de l'année a lieu au Manoir Montmorency. C'est vendredi le 6 septembre. Puis, qu'est-ce qui est le fun à ce dîner-là? C'est qu'ils nous font un beau forfait. Ils nous offrent la possibilité, après le dîner, d'aller en téléphérique. Oui, on a déjà pris le téléphérique. Moi, je l'ai pris une fois dans ma vie, mais là, de le refaire. Puis, on peut embarquer 30 dans un téléphérique. Fait que probablement que tous ceux qui vont être disponibles, on va pouvoir embarquer tous dans le même. Puis, ça va être limité. Pour le coût de 6 $ par personne, là, on va pouvoir se promener toute l'après-midi. Il y a aussi une activité populaire qui s'appelle les matins formation. Voulez-vous nous en parler? Oui, ça a lieu toujours le dernier mercredi du mois. Donc, ça a lieu le 25 septembre. On commence en force avec Catherine Paquette des services financiers Lafond. Puis, le thème, c'est comment se démarquer comme employeur en misant sur les employés. Donc, c'est vraiment un puis, toute l'année, toutes mes matins formation sont bookées vraiment. C'est les membres, hein, c'est toujours à faire bénévolement par un membre qui veut nous partager son expertise, dans quoi il travaille et tout. Fait que, puis, ça fonctionne bien. Alliance Affaires, c'est aussi des nouveautés. Oui. Et vous en avez une que vous voulez nous parler. Oui, puis je suis vraiment fière aussi de celle-là. C'est 11 visites. Alors, on visite une entreprise qui est membre de l'Alliance. Et pour cette toute première, c'est la ferme bioferme des Caps qui est à Saint-Tite. Donc, Dominique nous reçoit avec son équipe avec un déjeuner qui est hypotoxique et biologique. C'est une grande nouveauté. Il y a beaucoup de nouveaux mets. Hein, fait qu'elle va nous partager ses connaissances. Puis aussi, elle va nous parler de son fameux kombucha qui est souvent renommé parce qu'il est faible en sucre. Ensuite, on se dirige dans la forêt pour prendre un bain de forêt. C'est quelque chose qui est très populaire au Japon. Ça s'en vient sur la côte, à Québec, sur la côte. Puis, on a la chance là, que Dominique va nous faire vivre ce bain de forêt-là. C'est une question de se connecter avec la nature. Donc, un automne bien rempli au niveau d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Si on veut joindre ou prendre part à une activité, qu'est-ce qu'on fait? C'est très facile. Je suis toujours disponible sur mon cellulaire. Ensuite, par la page Facebook, par le site web. On est sur LinkedIn aussi, sur Instagram. Je vous le dis, c'est facile. Alliance Affaires, je suis très facile à rejoindre. Merci, Nathalie. Merci.